Aujourd'hui, on voudrait vous alerter sur un sujet extrêmement important, mais qui, pour le moment, est passé sous les radars du débat public. L'avenir de l'électricité en France est en péril. On l'a tous remarqué, l'année 2022 a été terrible pour la production d'électricité en France. Mais elle ne pourrait être qu'un avant-goût de ce qui nous attend si on n'agit pas très vite. En 2022, la production d'électricité, c'était pas ça. La France a produit 17% d'électricité en moins qu'en 2019, avant le Covid. La raison principale, c'est l'indisponibilité des centrales nucléaires. On a dû mettre de nombreuses centrales à l'arrêt, soit parce qu'il fallait rattraper des programmes de maintenance qui ont été différés par les confinements et le Covid, soit parce qu'on a découvert des traces de corrosion sur des tuyaux qui sont importants pour la sûreté. Au pire des moments, à la fin de l'été, 2 centrales nucléaires sur 3 étaient à l'arrêt. À cette indisponibilité du nucléaire, il faut ajouter l'indisponibilité de nos barrages électriques qui, à cause de la sécheresse qui sévissait déjà l'été dernier, ont produit 1/5 d'électricité en moins que d'habitude. Cette baisse de la production d'électricité, ça n'a pas été la seule catastrophe de 2022. La deuxième catastrophe, ça a été l'explosion des prix. Alors, ça a été dur pour tout le monde, toutes les factures ont grimpé, mais pour les entreprises ou pour les ménages qui n'étaient pas au tarif réglementé de l'électricité, là, ça a vraiment fait mal. Coucou les boulangers. J'ai reçu il y a très peu de temps un courrier d'EDF nous annonçant que nos prix au niveau de l'électricité allaient être multipliés par 10. Donc on était à 10 euros et là on passe à 106. Cette hausse des prix de l'électricité en France, elle n'est pas tellement due au fait que nos centrales nucléaires soient à l'arrêt chez nous. C'est plutôt dû à l'explosion du prix du gaz. D'ailleurs, le prix de l'électricité, il a explosé partout en Europe. Si vous voulez comprendre pourquoi le prix de l'électricité, il dépend autant du prix du gaz, même en France, un pays où on utilise peu de gaz pour produire de l'électricité, et ben dans cette vidéo, on vous explique tout ça en détail. Au passage, contrairement à ce que beaucoup croient, les prix du gaz, ils n'ont pas commencé à monter avec l'invasion de l'Ukraine. Dès 2021, Poutine, il a commencé à fermer les robinets de gaz pour affaiblir l'Europe et préparer sa guerre. On vous expliquait tout ça dans une autre vidéo. Mais revenons à l'électricité. La hausse des prix, elle a fait tellement mal au portefeuille qu'elle a entraîné une baisse de la consommation électrique. À partir d'octobre 2022, la consommation française d'électricité a baissé de quasi 10%. Et dans les secteurs industriels qui consomment beaucoup d'électricité et qui donc sont exposés à une montée des prix, des secteurs comme la métallurgie, la chimie ou la sidérurgie, la baisse qu'on a eue cet hiver, elle a pu aller jusqu'à moins 20%. Parce que c'est le secteur qui est le plus exposé directement aux variations des prix de l'électricité. Et donc effectivement, à partir de août, septembre, octobre, il y a une diminution de la consommation sur certaines branches industrielles, particulièrement chimie, métallurgie et sidérurgie, et souvent sur quelques très gros sites. Il y a dû avoir des gens au chômage partiel et une baisse d'activité. Mais même si la France s'est énormément serré la ceinture, et pour les particuliers, si on est beaucoup à avoir renoncé ou à avoir baissé notre chauffage, ça n'a pas suffi à rattraper la baisse de la production d'électricité. Malgré la baisse de consommation, on a dû importer de l'électricité des pays voisins. D'après RTE, il y a 4% de toute la consommation électrique française qui n'aurait pas été satisfaite sans les importations. Ces importations, elles nous ont coûté extrêmement cher, 7 milliards d'euros. Rien qu'en 2022, ça fait une facture salée. Et là, faut bien mesurer à quel point c'est exceptionnel pour notre pays d'importer de l'électricité. Ça fait 40 ans que la France est exportatrice nette d'électricité et ça nous rapporte un joli pactole, entre 2 et 3 milliards d'euros chaque année. Faut bien reconnaître que quand on voit ce tableau, l'année 2022, pour l'électricité française, ça a été un choc. Avant, la France, elle pouvait s'enorgueillir d'avoir une des meilleures électricités d'Europe. Elle était abondante, on en exportait, elle était moins chère qu'ailleurs en Europe, et en prime, c'était une de celles qui émettait le moins de gaz à effet de serre. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. 2022, ça a été la douche froide. On s'est rendu compte qu'on pouvait manquer d'électricité au point de devoir en importer de nos voisins. Et on s'est rendu compte que son prix pouvait exploser au point de menacer des emplois. La question à se poser, c'est est-ce que 2022, ça va se répéter? Ou alors, est-ce que c'est juste une sale année, un coup de malchance et que tout va gentiment rentrer dans l'ordre une fois qu'on aura réparé les petits tuyaux corrodés des centrales nucléaires? Eh ben,
En réalité, ce qu'on va voir, c'est que si on ne se lance pas rapidement dans la construction de nouveaux moyens de production électrique, eh ben l'année 2022, ça va être que l'avant-goût d'un effondrement électrique qui menace notre pays. Pourquoi ? D'abord parce que, même une fois passé l'orage de 2022, la production d'électricité nucléaire, elle risque d'être durablement inférieure à ce qu'on a connu, du moins si l'on en croit les prévisions du gestionnaire de réseau RTE. Et ouais, hein, même après la mise en route tant attendue de l'EPR de Flamanville, la France produira 8% d'électricité nucléaire en moins qu'elle ne le faisait avant le Covid. La raison, eh ben les arrêts pour maintenance et les visites décennales qu'on fait tous les 10 ans de fonctionnement d'une centrale pour s'assurer de la sûreté et remettre tout à jour, eh ben elles vont se multiplier dans les prochaines années. Et pour couronner le tout, il n'est pas du tout impossible que le problème de corrosion il se prolonge plus longtemps que prévu. Bah pourquoi ? Parce que l'ASN et EDF ont annoncé début mars avoir découvert deux nouvelles fissures importantes dans des endroits qui jusqu'à présent étaient supposés indemnes. Ça veut dire qu'on aura encore plus de travaux de maintenance à prévoir. Ce qui est fou, c'est que malgré tous ces soucis, RTE estime quand même que les centrales nucléaires vont fournir entre 60 et 70% de l'électricité en 2030. C'est moins qu'aujourd'hui, mais c'est toujours pas mal. Mais le vrai problème, il est pas là. La moindre disponibilité du nucléaire pour les prochaines années, c'est que la pointe de l'iceberg. On arrive maintenant dans une zone titanique. Putain de merde ! Le Titanic, c'est le moment où on va devoir fermer pour de bon toutes nos centrales nucléaires. Ça s'appelle l'effet falaise et c'est pas beau à voir. Laissez-moi vous expliquer. Nos centrales nucléaires, on en a construit l'essentiel en rafale. Vous le voyez, de 1979 à 1992, on a mis en service 50 réacteurs nucléaires. C'est sûr que c'est une superbe prouesse industrielle, mais qui dit construction en rafale dit fin de vie en rafale. Nos centrales nucléaires, elles vont s'arrêter tout ensemble en seulement quelques années. C'est ça la falaise. Si nos centrales nucléaires ferment après leur 50e anniversaire, comme on le prévoit aujourd'hui, maintenant qu'elles ont passé le programme Grand Carénage, eh ben vous voyez qu'entre 2030 et 2040, énormément de centrales vont devoir être fermées. Et là, vous imaginez bien l'effondrement de production électrique que notre pays va connaître. Pour que cette falaise soit moins dure à gérer, EDF, ils aimeraient énormément prolonger au moins certaines de nos centrales jusqu'à 60 ans. Est-ce que c'est envisageable ? Bah oui, les États-Unis le font déjà pour des modèles de centrales quasi identiques aux nôtres. Mais est-ce que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, va valider cette prolongation ? Eh bah uniquement si EDF fait la démonstration que, passé leur 50e année, ces centrales, elles seront toujours aussi sûres. Bref, les 60 ans, c'est un pari sur l'avenir. Mais de toute façon, ça ne fera que décaler le problème. La France va bientôt sauter la falaise et elle perdra, à cette occasion, l'essentiel de son système de production électrique. Une autre manière de voir ça, c'est que d'ici à 2045, la France va devoir reconstruire quasiment en entier son système de production d'électricité. Je dis ça, mais en réalité, la situation est encore plus difficile. Il ne suffira pas de remplacer nos vieilles centrales nucléaires pour produire la même quantité d'électricité qu'aujourd'hui. Non, non, en réalité, il va falloir produire plus d'électricité qu'aujourd'hui, et même pas mal plus. Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Pour éliminer l'essence et le diesel qui font tourner nos voitures, pour éliminer le fioul et le gaz de nos chaudières, etc., et ben va falloir les remplacer par des voitures électriques, les remplacer par des pompes à chaleur qui consomment de l'électricité. Notre économie va massivement s'électrifier, et cette électrification, elle se traduit par un chiffre. D'après RTE, la France de 2050 consommera un tiers d'électricité en plus que la France d'aujourd'hui. Et c'est pas qu'RTE qui le dit, même l'association Negawatt, une asso qui produit des scénarios où la sobriété est poussée à son maximum, même eux pensent qu'avec l'électrification des usages, la consommation en 2050, elle va être augmentée de près de 10%. Vous voyez le problème ? En même pas 30 ans, on va devoir remplacer toutes nos centrales nucléaires qui arrivent en fin de vie, et on va même devoir faire plus. On va devoir construire de quoi produire un tiers d'électricité en plus qu'aujourd'hui. Alors ok, on peut réduire l'augmentation à 10% si notre pays est hyper sobre, mais vous l'accorderez, c'est un défi d'une taille immense.
Et que se passera-t-il si on échoue? Eh bien, je vous garantis que 2022, avec son électricité qui manque, avec ses factures qui explosent, avec son bouclier qui coûte des milliards d'euros à l'État, eh bien, ce sera rien du tout par rapport à ce qui va nous arriver si la France échoue à bâtir un nouveau système électrique. Et comme construire une centrale nucléaire, installer un parc d'éoliennes en mer, ça prend des années, c'est aujourd'hui qu'on décide de l'électricité en 2030, en 2035, et c'est demain qu'on décide de celle en 2040, 2045. Si on traîne la patte, si on tergiverse, si notre pays ne se met pas rapidement à la hauteur de cet immense défi qu'il y a en face de nous, et bien dans quelques années, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Bien sûr, il n'y a aucune fatalité. On peut éviter ce drame, et pour éviter ce drame, on dispose de trois outils qui fonctionnent pour produire de l'électricité décarbonée. Construire de nouvelles centrales nucléaires, installer des parcs éoliens sur terre ou sur mer, et installer des panneaux photovoltaïques. Et on a en bonus un quatrième outil qui aide à diminuer la difficulté de la tâche qu'on a en face de nous, la sobriété, c'est-à-dire de renoncer volontairement à certaines consommations afin d'économiser de l'énergie. Une fois qu'on a dit ça, j'imagine que vous avez plein de questions. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des énergies? À quelles conditions un système 100% renouvelable est-il possible? Que penser du nucléaire, de son uranium du Niger, de ses déchets et de la sûreté des centrales? Et enfin, quels efforts de sobriété mettre en œuvre et jusqu'où peuvent-ils nous aider? On n'a pas le temps de développer ici, mais vous trouverez toutes les réponses à ces questions et bien d'autres dans notre livre « L'avenir de l'énergie » qui vient tout juste de sortir. Dans le livre, on a essayé de mettre le maximum d'infos claires et sourcées pour que vous puissiez vous repérer avec une seule idée en tête, sortir des postures caricaturales qui polluent le débat public, les antinucléaires radicaux versus les pronucléaires qui voient que des défauts aux énergies renouvelables. En tout cas, nous, avec cette vidéo, on a voulu lancer l'alerte sur le péril de la production électrique française. Et on compte vraiment sur vous pour partager au maximum la vidéo autour de vous, auprès de vos proches, pour que les infos capitales qui sont dans cette vidéo touchent le maximum de personnes. Et si l'énergie, l'électricité, ça vous intéresse, alors franchement, on vous invite à vous abonner à la chaîne de l'Humanité, à aller lire leurs articles, parce que très souvent, ils sont en pointe sur ces sujets. Moi, c'était un plaisir de vous parler de tout ça. Je vous dis à très bientôt, et surtout, bon courage aux grévistes, ce que vous faites c'est méga important, lâchez rien, on est avec vous. Ciao les amis.